Paul Jacques, surnommé par ses amis Pierrot le Fou. Au début des années 80, il connaît la prison puis s'envole à bord d'un voilier et débarque un jour en Jamaïque. On ne compte que sur nous-mêmes, quoi. C'est ça, les pirates. Je suis un peu pirate aussi, tu vois. Mais là, dans le studio, avec eux, y a... c'est de la piraterie, mais organisée, quoi. Tu vois, il y a de la rigueur, il y a des règles. Et on ne fait pas n'importe quoi. Le Saint des Saints, le studio de Bob Marley à Kingston. Pierre-Paul Jacques est venu y enregistrer les titres de son troisième album. À la baguette, Leroy Horsemouth Wallace, le plus grand batteur du pays. À la console, Clive Hunt, un producteur qui a collaboré entre autres avec Bob Marley, Jimmy Cliff. Je ne pense pas qu'il se sente ou qu'il doive se sentir comme un artiste français chantant du reggae. Il doit se sentir comme un chanteur reggae, point. Et c'est ce que je m'évertue à lui enseigner, et je crois qu'il va y arriver. Comme fondu dans le décor, le baroudeur a trouvé son port d'attache, le reggae. J'ai une mission à faire, en tant que chanteur de reggae, c'est à respecter cette musique, quoi. C'est-à-dire l'aimer et la connaître, quoi. Savoir d'où elle vient, comment elle est née, comment elle a grandi. Le reggae musique, c'est une musique de gens qui souffrent, quoi. Tu vois, c'est une musique de gens malheureux, en fin de compte. J'y joue pas les meurés, mais faut m'écouter quand même. Le diable est là, dédé. Le gamin de Colombe a quitté la cité, oublié son passé tourmenté. À 35 ans, le pirate a trouvé son île, la Jamaïque. Pierre-Paul Jacques, la grande évasion d'un mauvais garçon qui a trouvé la rédemption grâce à la chanson.